Salut, salut! On se retrouve donc sur une petite vidéo pour farmer les super soldats. On se retrouve donc sur la première map donc des frères 1. Pour petite précision donc, pour faciliter les choses. Alors, on va faire un petit passage dans les pouvoirs. Pouvoir l'invisibilité. Plus la visibilité est haute, et mieux ce sera pour farmer, donc ce sera plus pratique. Très important donc, ouais, bon, ça je vous le dis quand même, mais bon, on sait jamais. Chasseur d'ultime, ah, donc il faut pouvoir avoir la compétence pour pouvoir tuer. Important aussi, pensez à monter la... Dans les jouabilités, donc pensez à monter la difficulté. Donc très difficile, ou voire défi même, pour pouvoir mourir le plus vite possible, et pour pouvoir enchaîner le plus facilement possible les farms. Un autre truc aussi, privilégiez le couteau. Il y a un bug qui fait que la hachette ne fonctionne pas au niveau de la comptabilisation des kills avec les super soldats. Donc on court à travers ici. Donc vous arriverez ici facilement avec à la fin de frère 1. Sinon, vous passez par la droite. Je vous ferai le chemin donc après pour ceux qui ne l'ont pas encore terminé. Donc on arrive dans l'ascenseur, on descend, on ouvre la porte. Et donc là, il faut marcher. Très important. Courir fonctionne, mais des fois, ils vont vous repérer. En sachant qu'il y a un autre bug qui existe aussi, que si vous êtes repéré, vous ne pouvez pas faire une comptabilisation du kill. Donc passez tranquillement comme ça derrière. Sortez de l'invisibilité. Redevenez normal. Et là, vous faites un coup d'R3 avec le couteau. Très important. Voilà, et vous arrivez ici et vous avez votre premier kill. Après ensuite, donc si vous voulez faire des kills sur des furtifs, donc pour le trophée Predator ou quoi, hop, vous pouvez aller chercher un autre mec ici. Juste derrière, on a son pote qui est là, ou qui marche un peu vers la droite. Hop là. Vous pouvez ensuite revenir vers le chien. Et donc devant le chien, vous aurez un ennemi. Hop, petit passage à l'invisibilité. Voilà, donc pour le trophée Predator, hein, pensez bien à enlever la visibilité juste avant de taper. Et donc une fois que vous avez été repéré par le chien, donc soit vous le tuez pour avoir de l'XP, soit vous vous laissez tuer directement par le chien, et vous allez avoir ensuite donc tout un groupe d'ennemis qui va arriver dans votre dos ici. Et donc c'est là où est important la difficulté, c'est que du coup eux vont vous tirer beaucoup plus vite. Et en fonction de vos besoins, donc de vos trophées ou quoi, il sera très important donc de mourir le plus vite possible pour pouvoir farmer. Et donc si vous voulez faire donc des trophées genre type explosion ou des kills, c'est un excellent point. Et donc vous allez revenir, donc vous êtes morte, vous allez revenir à la base de frère 1 au tout début, et donc vous pourrez courir et revenir directement tuer votre super soldat. En sachant donc que la comptabilisation des kills n'est pas exactement à 10, qu'il faudra monter un poil plus que 10, donc autour des 13 peut-être, 15 peut-être. Et surtout, donc très important, avec le couteau. Ne prenez pas la hachette, elle est mal comptabilisée, voire non comptabilisée. Moi, j'ai fait une trentaine de kills avec la hachette et ça n'a jamais été comptabilisé. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fini, et qui viennent d'arriver, qui veulent donc essayer de farmer directement une fois arrivé. Donc vous arrivez sur votre droite ici. Hop là, on continue encore sur la droite. Donc on va voir la porte ici, il faut se faire repérer. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Hop, du coup, on a la suite qui va s'ouvrir ici. On arrive en dessous. Bonjour messieurs. Ouais, botte-lui son beau cul. Hop là, donc on arrive ici. Très important d'appuyer sur le petit bouton pour pouvoir ouvrir les portes. Sinon vous ne pourrez pas accéder à la suite. Donc ça vous le verrez dans la mission principale. Et on arrive ici. Hop là. Yeah, game 5, bitch. Alors, on arrive là. Et on est revenu exactement au même endroit. Mais de l'autre côté. Voilà, voilà. Et donc là, pareil. Donc, on peut recommencer facilement. Et ce sera comptabilisé. Donc, invisibilité. On revient derrière. On ressort de l'invisibilité. Très important. Et on peut faire notre R3. Clac, clac. Et puis voilà, on est repéré. Et hop, on est reparti. Donc, vous laissez crever. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est tout pour moi. Et donc vous laissez mourir les deux fois pour pouvoir réutiliser. Salut, salut.